Est-ce qu'on tente le Palpatine? Tu veux tenter? Toi, tu penses mais que c'est plus drôle de faire ça. Je suis d'accord que c'est plus drôle. Le premier attaque glace. Est-ce que finalement on va pas juste regretter et se chier dessus? Ok, il est temps. Par contre, on est d'accord. Dragon, c'est physique. Sol, c'est physique. Pour moi, oui. Mais... Vol, c'est physique. Vol et sol, c'est sûr. Dragon. Non, on est niqué. Dragon, c'est spécial en fait. Ah merde. On peut essayer. Il y a 2 chances sur 3. Elle a quoi? Séisme et. Elle a Draco souffle et repiqué. Par contre, ce qui me fait le plus peur, elle a Draco danse. Et ça me fait un peu flipper. Oh merde, parce que si on met Palpatine et qu'elle elle booste l'aérodance, on peut rien faire quoi. Enfin, pourrait tanker, il a 157 HP quoi. Oui, mais en fait elle peut se booster et lui il peut pas attaquer quoi. Quand elle fait danse Draco, on fait encore, on switch sur. Encore, sur c'est Charles. Combien 2 à 6 tours, on peut pas savoir combien ça va durer. Ah, c'est de merde. Danse Draco, elle va se booster jusqu'au max quoi. Bah si c'est danse Draco, faudra switch sur Charles et Inch'Allah. Inch'Allah, ça le but quoi. Inch'Allah, le tonnerre. On tente cette strat. J'ai peur de perdre le Nuzlocke. Allez! C'est parti. Pokémon d'oiseau et moi que vous préparez. Inch'Allah, c'est parti. Inch'Allah, what the fuck, il ressemble à ça. Ah voilà, j'ai la même réaction. Mais quoi? Ah mais elle a un casque d'aviateur, oui, en fait, ça, ouais. D'accord. Tilton, il meurt. Oui, non mais je te dis... Ça va, on va pas ça ça va. Tonnerre et puis ça meurt. Tonnerre et puis ça meurt. Voilà. Après, si jamais on a... Ah oui, non. Même si on attaque avant l'Altaria... Ça dépend si Altaria fait danse Draco. On peut pas savoir. On peut pas savoir. Elle commence par ça, ça me casse les couilles. Mais laisse-le pour la fin, wesh. Alors. Alors, attendez, écoutez, prenons un moment de la réflexion. Non, attendez, 30 secondes, donc on là, peut discuter. On a deux choix. Soit on attaque avec Charles, mais. Il nous fait séisme direct. S'il fait séisme direct, bah Charles décède. Donc, si c'est pas ça, c'est la strat de Palpatine. Cage éclair. On fait cage éclair, ça paralyse. Cage éclair et ça passe, mais là c'est vraiment basé sur le Hakuto. Sauf si, j'ai pas regardé si elle avait une baie. On met le Palpatine, on essaie de voir. Moi j'ai peur de la danse Draco, mais. Allez, vas-y. Faut y aller un moment dans la vie, faut prendre des décisions, faut porter ses couilles et les placer sur la table et faire sentir à ses ennemis. Séisme. Palpatine meurt. Oh putain, je l'ai boosté le cap. Oh ça fait. Oh mais il tend comme un bâtard. Si je fais encore, il se passe quoi? Il va le faire après par contre. Non par contre il le fera après. Et là on sait pas ce qu'il va donc faire. Donc là on sait pas ce qu'il va faire. Mais ça peut-être va... qu'il faut quand même faire encore, non? Mais pour moi il faut faire encore. Mais le problème c'est que si ça fait danse si Draco. Si elle fait danse Draco, ce qui serait la bonne chose à faire en vrai. Si elle était. Ben elle, si j'étais elle, je ferais danse Draco. Mais bon, est-ce qu'elle est con ou pas quoi? Danse Draco. Et merde! Du coup, je te propose... Attaque augmente. C'est juste attaque et la vitesse. Non, la vitesse à l'attaque. Du coup, là... Alors, c'est qu'une fois, c'est pas genre deux fois. Hein. Oui, mais sauf que là, elle est obligée de le faire plein de fois, quoi. Deux autres fois. Là, à partir de là... Donc là, je suis obligé... Là, faut que je switch et que je mette Charles et que j'attaque, quoi. On va perdre un tour ici. Là, je fais un échange. Ouais. Elle fait dans Draco. Ouais. J'attaque, elle fait dans Draco. Ouais. C'est ça, normalement, les deux fois, oui, ça compte. C'est ça, oui, pour moi. Et là, après, c'est soit on pourra switcher et mettre Palpatine éventuellement. Soit... Par contre, Palpatine, si elle fait deux fois dans Draco, il se passe ça, plus ça, il va peut-être crever, quoi. Bon, alors je change et je mets Charles, et je Par prie. Contre, faut savoir qu'elle peut le faire jusqu'à 6 fois dans Draco. Je m'en fous, je veux pas j'envoie perdre Charles. Le De toute façon, j'envoie Charles, c'est ça la strat. Oui. Moi, je veux pas perdre le Nuzlocke, mais donc je vais... Dans Draco, elle est obligée. Et là, la question, c'est... Bah, Charles ne va pas tuer, hein, c'est sûr. Charles ne tue pas, hein. Deux fois, donc ça c'est la deuxième fois. Hein. Ça fait trois fois qu'elle fait dans un coin. Allez, Dieu du axe. Ça fait pas si mal. Hein. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On sait pas. Là, on sait pas si elle va continuer à faire dans Draco ou si elle va attaquer. Et si elle attaque, Charles meurt. Si jamais c'est 6 fois, Charles a le temps de la tuer. Mais si c'est pas 6 fois, il va se faire buter. Et combien de chances? C'est quoi les statistiques dans c'est entre 2 et 6, je pense que c'est uniformément entre 2 et 6. Il génère au départ un nombre aléatoire entre 2 et 6 et il décide au nombre de tours. Je dirais que c'est ça. Hein. Bah, si c'est entre 2 et 6, en moyenne, c'est 4 quoi. Est-ce qu'on part sur le principe que c'est 4? Est-ce que le dieu des maths. Le truc, c'est que si c'est 4, elle le fait encore 2 fois et du coup, 2 fois, j'ai le temps de la tuer quoi. On met le. On verra. Moi, pour moi, il va peut-être crever ici aussi. Hein. Ouais, de toute façon, c'est super galère. Hein. C'est du pif. Hein. Je vois pas. Alors, est-ce qu'elle continue? Est-ce qu'elle attaque? Elle continue. Donc, on aurait pu continuer avec Charles. Donc, là, elle va devenir de plus en plus craquée, quoi. Donc, que faire ici? Là, si tu veux, on pourrait soigner Palpatine. Et attendre une attaque? On soigne, ouais, voilà. Ça rend combien? 50 seulement? Oui, c'est pas grave. Ouais. Le plus, c'est qu'il soit maxé, voilà.
Non, c'est vrai. La vache, ça dure autant de temps. Putain, là, c'est... On aurait dû faire la strat de Charles. Et là, non, honnêtement, là, tu fais... là, tu je fais riposte. Ouais. Encore est terminé. Ils le disent. Ah, ils le disent à la fin. Oh putain, on savait pas. Je crois que c'était au début. Ah, moi, je pensais qu'ils disaient pas. Mais si, moi, je pensais qu'ils le disaient, mais... Mais c'était au début pour moi qu'il le mettait. Moi je pensais qu'il disait juste pas en fait, tu savais pas quand est-ce que c'était terminé. Ah si, 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 moi je pense que c'est dit. Mais je pensais que c'était pas à la fin. Ah, mais nique sa mère, on aurait dû continuer alors. Ben oui. Tant que c'était. Ben oui, oui, on pouvait pas savoir. On pouvait pas savoir, c'est abusé, putain. Du coup c'est fini. Et là, on riposte. Hein. Du coup, elle a 3 attaques. Si, dans Draco, séisme. Mais vu qu'elle fait dans Draco à balle, normalement elle devrait faire une attaque physique, c'est-à-dire séisme. C'est vrai que si elle fait dans Draco, elle sinon c'est con quoi. Donc autant faire riposte. Inch'Allah. Inch'Allah, va le pas tourner. Elle refait dans Draco ? Mais elle est tarée en fait. Mais là elle est au max hein, des dans Draco. Ça donne combien à vous attaque ? Je veux juste savoir. Parce qu'elle faisait pas la moitié, elle le mettait pas mid-life hein, avec un séisme. Pas du tout. Elle l'a pas mis mid-life du tout. Hein. Je pense que c'est juste dans Draco ça te fait monter un niveau d'attaque. Ouais, d'accord, qu'est-ce mais qui se passe quand tu montes un niveau d'attaque ça, c'est ça, mais... Ok, ça va jusqu'à x4 à plus 6 en fait. Ah ouais, donc. Tandax quand même, hein, c'est 3 fois. 4 fois 36. 4 fois 4, 60. Eh, hey, tu tentes. Tente, hein, je. C'est vraiment injustice. Vas-y. J'ai le moment. Oh, pour que tu dises sur mon père. Le moment qu'on attend. Gotcha, bitch. Oh, oui, oui. Wow. Oui. Ah, putain de merde. C'est exactement ce que t'as dit. Oui. Le 8 PV sur 157, mon pote. Ah, putain. Ah, qui sont les rageux qui ont dit que ça servait à rien d'avoir qu'une butoquée. Exactement. Allez, allez. Attends, attends, fais gaffe après. Pascal, comment tu vas? Pascal, prends ton level. Tropius. On change le son de Sphérax. Sphérax. Y'a pas de piège, hein, y'a pas de. Non, 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 non. Y'avait quoi, l'intérieur qui était chiant. Oh, sa mère, le 8 PV, j'étais si peu serein quand j'ai vu le truc descendre. Ah, mais ça. Oh putain, l'ensoleil. Ah, c'est l'ensoleil. Pas grave, je vais faire vol. Ouais, ouais. Allez, salut. Oh. Sphérax rate. Oui, oui. Oh, ça peut rater. Ouais. Ok. Oh. Ok, c'est bon. Je sais pas si c'est l'OS. Non. Aéropic. Je crois que c'est un gros taux de critique aéropic. Ah ouais, ouais. Bon là, creux, ça devrait suffire. Ouais. Ah, non, elle claque l'hyperpression. Putain, elle le fait maintenant. Hein. On a bien fait, je pense, de faire Palpatine parce qu'elle a pas eu l'occasion de mettre une hyperpression. Tu peux pas. Quand tu te prends 150 fois 2 fois 30 fois 2. Alors qu'avec. Avec Charles, elle aurait eu le temps d'en mettre en fait. Putain, j'y crois pas qu'elle ait continué de faire Dans Draco après le encore quoi. Mais en fait, si. C'est, ouais, c'est logique, hein. Ouais, parce qu'elle est boostée à balle et elle est contre et le but, c'est donc, mais le but, en fait, c'est de pouvoir tuer tout le monde. Tonnerre. Et normalement, on est pas mal. Il décède. Ouh. Je connais pas ma table des types. Allez, on arrive quand même. C'est qui strat, hein. T'es qui? Ah putain, Pascal Pro au niveau 22. Pascal tente d'apprendre clairvoyance. Quoi, grand frère? C'est oui. Là, ça y est, il a les pouvoirs de médium de Mesmer. Il peut pas avoir. On lui fait build de grand frère. Hein. Le grand frère build empêche l'ennemi d'améliorer son esquive. C'est vraiment de la merde. Pardon, mais bon. Point karaté, c'est quoi? Point karaté. Et attaque. Taux de critique élevé 50. Et là, c'est quoi? Plus mal aux ennemis noirs. Ah ouais? Ok, je savais pas. Et en mur. Ok. Hermure. Level 31, il va peut-être tanker. On tente. Je pense pas. On tente le tonnerre. Tente. Tonnerre. Chiné. Chiné. Il tombe pas. Allez, voilà. Ça c'est fait. Ah, on les entend plus les rageux. Je me suis chié dessus. J'avoue, on serait passé comment sur le butoké? Ah ben là, on était mort. La strat c'était tout misé sur le butoké. Mais d'accord, avec la team de base, on aurait jamais pu passer à l'intérieur. Il aurait fallu prendre Blizzard, je pense. Je n'avais jamais encore vu d'adresseur commander ce Pokémon avec autant de grâce que moi. Tu es le premier. En récompense de ta brouesse, je t'offre ce badge. Roberto Raquette, 3300. 3000 et un sandwich. Et un sandwich. Le baillet plume. Alors, est-ce que ça va augmenter les stats de nos Pokémon? Parce qu'il paraît que les badges font ça. Donc, si les Pokémon jusqu'au niveau 70, bah c'est cool, on peut faire une grosse section de Pex. On peut avoir. Les mecs qui seraient à niveau 70. Bah oui. Et on a la petite CT40, ça fait. Qu'on a absolument pas vu. Aéropication, on l'a vu. Déjà, on va au centre Pokémon et puis on va. Mais il y a des clients sauvages qui pourraient apparaître. Ouais. Alors, on fait quoi? Extrêmement rapide, ah oui, donc t'attaques en premier, ouais, et c'est inévitable. C'est inévitable. Par contre, 60, c'est. Ah bah c'est mieux Cruel en fait. Mais c'est pareil que Cruel, mais. Mais Cruel, ça peut rendre confus, c'est ça? Non? Non? Ouais, c'est vrai que ça sert à rien, je pense, pour Sphérax en fait. Hein. C'est vu que ça peut pas rater, mais ça peut déjà pas rater Cruel. Pour moi, ça serait plus pour Papillon, limite. Pour Papillon?
Genre à la place de Tornade. Ça me tue qu'il soit apte à faire ça. Franchement, c'est le Pokémon le plus lent de l'univers. Alors Tornade c'était 40, bah voilà, bah là on est passé au 60, c'est pas mal. Hein. Quel... Oh putain, Palpatine il a régalé là. Ah, ça s'est joué à rien, putain. Ouais, le plaisir. Oui, on peut tanker des fois 6. On peut tanker easy. Enfin, easy. On peut. Vas-y, on poursuit. Vas-y. On poursuit, on essaie d'atteindre la ville d'après au moins. C'est grave lent. Ah ouais? Mec, avec notre système, avec notre façon de jouer, on n'y est pas! C'est si long? C'est ça là, c'est Nénuclic. Ah, mais il y a le parc Safari en attendant. Non, mais tu penses, c'est pour ça, on va faire ça déjà. Allez, on continue sur les chemins de l'aventure. Bonjour. Ah, il pleut ici. Ah, on va pas avoir des petits touans et des matériaux non-stop là? Insupportable ce jardin d'enfants là, ok, les petits touans et des matériaux. Que n'est-ce qu'une capacité pouvant toucher un Pokémon en vol? Un fusil. Ouais, poule! Alors le papayon n'est pas préconisé. Hein. Tu veux dire mettre Pascal. Ouais, mettre Pascal, il va lui faire les 2-3 conseils et c'est bon, il va combattre. Et pourquoi t'es violent comme ça? C'est ça. Exprime-toi, putain, il traîne. Non, mais putain. Ça t'entassera du axe. Allez, ça dégage. On a pas regardé si les stats vont augmenter. Après avoir récupéré le badge. Ah oui, c'est vrai. Non, mais il l'annonce normalement. Là, il l'a pas dit, mais il y a des badges qu'on a reçus. Et y a des champions d'arène qui disent « Grâce à ce badge, tes Pokémon augmenteront leur force. » On était en mode « Mais quoi ? Depuis quand les badges, ça fait ça ?» Mais apparemment... C'est pas juste un mec qui a dit ça pour le fun et ça veut rien dire en fait. Je crois qu'il était plusieurs à dire ça. Des gens cachés. Il y a tant de dresseurs, tu veux pas qu'on les esquive? Comment tu veux faire? Ninja, ça se trouve, il nous voit pas si on passe trop vite. Il ne fait mal, je sens que quelqu'un qui mord, il fait très mal. C'est la. C'est quoi la meuf? C'est le lapin de la RATP. Faire attention, tu vas tes Pokémon. Tu pourrais te faire très très mal. Meditica, oh putain, je me chie dessus. Oh. Meditica, faut l'attaquer absolument. Oh putain, tout ça Meditica. Un gal, et puis tourner sur le... Non. Je suis sûr que je vais faire un misclic comme ça un jour, hein, c'est certain. Makuhita. Makuhita. Allez, aéropique. Super efficace, mais c'est pas suffisant. Hein. Non. Tunnel. Tunnel, je me chie dessus, je vais dégager le... On va le dégager. On le char, hein, pour la tête. Par contre, Papayon, il est pas de petit bol. Hein. Mais pas mouton tranquille. Allez hop. Makuhita. Galtis tunnel, mais ça n'affecte pas Nosferax. Eh oui, fallait mieux choisir ta cible, connard. Connard. C'est cruel, tu décèdes, globalement tu décèdes. Tu m'étonnes qu'ils ont pas foutu l'évitation au magnéton. Ouais, il aurait été craqué en fait. Ça aurait été complètement craqué. Il aurait été invincible. Invincible. Oh putain. Oh putain. Ah bah ça va, oui, parce qu'il a. Il tank en un gros bar. Putain, mais je me chie dessus là par contre. C'est une super défense. Je mets vol. Je mets Palpatine. Tu mets Palpatine, Palpatine et Charme. Papayon. Non, tu mets Palpatine à la place de Papayon et Nosferax le vol. Ah oui, bien vu. Palpatine il devrait tanker. Oui, ouais, c'est bon. Puisqu'il prend. Alors normalement le vol se fait avant. Oui, bah oui, destruction c'est pas Palpatine au début, devrait être là. Hop, tu t'envoles, Palpatine tu vas prendre un petit coup. Ah non, ça il va. Il sent en mode arrêtez tout. C'est un mec de l'intervention du SWAT en mode Palpatine. C'est ça. Ah oh merde, j'ai fait une passe, j'ai pas voulu. Oh non. Oh, c'est bon. J'ai vu le dé. Je me suis chié dessus. Putain. Bon, normalement, il meurt là. Ah, il fait riposte. Ah, oui, c'est vrai. Là. C'est un bon CRS. C'est un bon Palpatine. Ah putain, Papayon passe un level. Mais en lumière, quoi? Franchement, on n'est pas assez strat pour utiliser ça. Hein. Mais est-ce que Rayon Lune, on s'en sert? Je veux dire, c'est stylé, mais on a des potions, non? J'avoue, les trucs, les mecs, c'est littéralement, on a de la magie pure pour nous aider. Pouf, la technologie, là. Ouais, clairement, on le bourreuse au gène, notre Pokémon, il n'y a pas besoin d'utiliser Rayon Lune. Adieu, Pampulili. Par contre, on remplace en Pampulili par un autre Pampulili. Parce que en lumière, c'est quand même un peu Magical Girl, quoi, dans l'idée. Ah, le poison. Tout en haut du menu, tu trouveras l'antidote. Du poison. Ah bah cool, merci. Merci beaucoup. Oui. Eh, est-ce qu'on pourrait pas apprendre Coupe à Coupe? On n'a pas Coupe. Mais si on l'a, c'est juste que personne ne peut l'apprendre. Ah oui, mais peut-être que maintenant quelqu'un peut. Non. Non. Il se passe quoi ici? C'est intéressant comme zone, dis donc. Ah, il y a un Kecléon de merde. Non, vas-y. Non, mais tu le contournes. C'est bon. Oui, c'est vrai. Bon, moi j'allais vraiment le péter. Ouh. Oh, il fait beau ici. Oh, ça fait plaisir. Oh, les nuages dans les flaques, c'est trop bien fait, ouais. Ah, c'est rapide. C'est rapide à ce fuck, par contre, il y a du vent. 200 km. Oh putain. Oh. Challenger. Je te bute. Je voulais me rapprocher très vite pendant qu'il voit pas. T'imagines, le gars se retourne, il se re-retourne, il y a Roberto à 1 mm de son visage. Ah, qui peut tester le Charlemagne. Charlemagneton. Quoi? C'est quoi ça? Charlemagneton. Maïl. On arrive sur les fins de session là. Moi je pense que le Nénucric finalement n'est pas si loin. Ah ouais.
Alors, route 121. Ah, on arrive sur la route 121, d'accord. Et c'est pas là qu'il y a un safari? Oh, il est nouveau, lui. Il y a un ninja. C'est quoi, ça? Il y a 3 bananas. Nanana. Ah! Elle est bien dissimulée, je ne l'avais pas vu. J'ai mes Pokémon niveau 200, t'as pas de chance, hein? Oh merde. Ninja fan Keneda. Oh putain, bah il va se faire assassiner. Alors attendez, Bah Palpatine, c'est parti, bah, non, on envoie le CRS. On envoie le CRS. On envoie le SWAT. Qu'il fasse destruction. On the ground! Et voilà. Et là il meurt quand même. Ah, s'il meurt, j'ai les boules. Oh, je me suis un peu fait tuer. Oh, aussi? Oh putain. Mais destruction, ça ne pardonne pas, hein. C'est des enculés quand même. C'est incroyable. Après tout ça, on a tout. Il en a un deux. Ah, ouais, Ninjask. On est tellement content de voir notre Pokémon. Très content de te voir, Ninjask. Allez, en avant, nos Sphérax. Mais putain. Oui. Tu le tues. Ça me putain, fait mais chose, c'est vraiment des anti-Nuzlocke ces persos. Ah lui, mais ouais, hein, lui il est anti-fun. Hein. Ouais, non, zéro fun soigné, avec ce là. Mec. Ah, c'est nouvelle zone. Est-ce qu'on considère que le parc safari c'est un nouveau bail? Ben, je sais pas. Au pire, on va voir. Non, mais elle a regardé sur le côté tout à l'heure donc. Je vais juste attendre. Ah, elle m'a brain, elle a bien fait. J'ai Cléon. Petit SD. Ah là là, alors là. Notre bois c'est le seul qui a des attaques de type contradictoire. Mais le tir debout et après un gros surf, il décède. Gros surf dans ta goule. Le tir debout suffit quasiment. Hein. On m'appelle Lofildrong. Oh, première fois qu'on voit un sévipère. Est-ce qu'il va tanker? Peut-être, hein. Attaque d'essai. Il est peut-être sur un build de défense. Et non. Critique. Welp. T'imagines, ça veut dire qu'il y a des dresseurs au loin, ils n'arrivent pas à voir des nuages de tonnerre non-stop. Ouais. Et ils savent que Roberto s'approche. Ah, level 25. Pour moi, il évolue là. Pascal, t'en apprends de mon détail. Il y a moyen, hein. Oh, Vendetta. Pascal, les grands frères. Gagne en puissance quand blessé par l'ennemi. Je crois que c'est un peu. D'abord que le mec attaque. Quand tu te fais tabasser, ouais, c'est plus puissant. Je crois que c'est pas mal, hein. Puissance, on n'utilisera pas, c'est trop strat. Ça fait zizir. Ah non, il évolue. Il évolue quand? Mais il évolue quand? Bah, niveau 30, du coup. Bah ouais. Canon Jessica. Et j'ai le nul d'un canon. Allez. Ok, on va aller au Mont Mémoria. Ah bah c'est tout le scénario, d'accord. C'est très très le scénario. Ah, là on est obligé de combattre les jumelles de Shining pour accéder au safari. A few inches later. Oh putain. Non. What the fuck. Niveau 32, mais ça va pas. Il faut le axe tout de suite, hein. Il faut le axe tout de suite, hein. Il faut le buter immédiatement et il faut le axe, hein. Putain, mais monophlémie de merde, qui a ça? T'as vu la gueule de la gamine? Elle a King Kong dans son inventaire, c'est pas normal. En fait, j'ai l'impression qu'on arrive au stade du jeu où je comprends pourquoi les gens disaient attention, Pokémon Emerald, c'est très difficile en Nuzlocke. Bah ouais, putain, les gamines elles ont des monophlémites. Ouais, est-ce qu'on fait pas cager le clair directement sur les deux? Donc je change qui? Papillon? Ouais. Et je mets pas le patine à la place? Ouais. Spinda, ça a des attaques psy, je crois. Entente, ça me chie dessus, on envoie le SWAT. Feinte. D'accord. Ça arrête pas ça. Non. Ça devrait. Ouais, mais ça il fait très mal. Non, ça fait pas, ça fait pas beaucoup de dégâts, enfin. Cage clair, ok. Les KG. Spinda. Spinda des attaques psy. Sur. Voilà. Psy. Sur Char. Sur Char, ça fait du dégâts, non? Char, il tank comme un bâtard. Alors, Palpatine, on spam les ripostes, hein, je pense. Ouais, mais il va pas être beaucoup attaqué finalement. Alors, à quel point il tank? Il va tanker. Je pense qu'il tank pas mal. Oh, ça va, hein. Je suis percute. Non. C'est normal, c'est normal. Non, c'est normal. Oh, mais ça confuse. Ok, oui, c'est bon, pas trop grave. C'est normal. On a fait mythe paresse, ça c'est bien. Riposte. Putain. Ça sert à rien le SWAT, mais bon. Il est là pour assurer. Oui, mais il assure rien du tout s'il protège pas Charles. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Charles, je sais plus quoi faire. Ne confuse pas Charles. Et merde. Et merde. D'accord, je sais pas pourquoi. Ah voilà, ils font de la merde. Ouais, j'ai fait riposte donc ça marche pas, je suis un connard. Feinte. Ouais, et feinte c'est. Ah, c'est sur le Palpatine. Ouais. Ah bah j'ai fait riposte. Mais c'est physique? Oui, c'est ténèbres. Ah non, c'est psychique. Non. Ah, casse les couilles. Allez Charles, donne tout. Ouais, c'est ça qu'on voit. Mon afflemi dégage et c'est bon. Sauf s'il en a un deuxième derrière, mais je pense que ça va. Non, elle avec ils. Elle avec un Pokémon. Hein. Ah, on se fait un peu dessus là, ça fait un peu plaisir. Percute. Ah bah j'ai fait voir le miroir. Voilà. Exemple typique de Palpatine est quand même difficile à manier quoi. Oh, eh ben dis donc. Bienvenue dans les parcs safari. Ici vous pouvez admirer les nouvelles espèces de Pokémon rares à Owen. Et vous pouvez les voir à l'état sauvage dans leur habitat naturel. Depuis c'est ça, les Pokémon sont les bienvenus dans ce parc. C'est encouragé à attraper les Pokémon et à les garder. Entraînez et amusez-vous au parc safari. Bah les Pokémon ça va être vraiment le Pokémon pour nous. Pourquoi? Ils font payer. Oh non je peux pas. Pourquoi? Il faut Nanucric. Il a dit vous n'avez pas de boîte Pokéblock. C'est très bien plus de Pokémon Nana. Reviens nous voir avec une boîte Pokéblock. Non. Dans la salle de concours de Nanucric. Oh mais les concours c'est pour les pays.
Eh ben on prendra le Pokémon de la zone et on espère qu'il sera rare. Si on a un Shiny, imagine, une chance sur 8192. Et si ça se passait maintenant, je serais un peu mesmer. Bon, de toute façon, c'est un mystère, ça dégage. Même s'il était Shiny, je le prends pas. En vrai, si on a un Shiny, j'altère les règles du Nuzlocke. Hein. Limite, on s'en sert pas. Non, on s'en sert on pas. On le capture quand même, parce que c'est trop épique. Ouais. Par contre, ça a l'air d'être les mêmes Pokémon de la zone d'avant. Quoi. D'accord, mais... Tu choisis un peu ce que tu... C'est quoi cette merde? C'est un Pokémon Spectre? Ouais. Ça me paraît hardcore de voir ça en plein jour. Ouais. Dans une herbe de merde comme ça, mais... Alors, non, Spectre, là, on sait pas c'est quoi qui est efficace. On est nommé à rude épreuve, là. Malédiction. Ah bah voilà. Ah bah nickel. On va le capturer tout seul. Ah, il va maudire Papillon, mais c'est pas grave, je vais changer de Pokémon. On fait quoi? On tente de le capturer comme ça, du coup? Ah, j'aurais dû mettre... Ah, il le fait deux fois, mais non! Le con, il va se tuer! Mais non! C'est une blague! Attends. C'est une blague, non! Putain! Mais putain! C'est cool, je veux pas de... Y'a quoi dans la Pokéball? Non. Y'a quoi? Y'a rien. Résiste! Et là, y'a plein de Pokéball, y'a plein de trucs. Résiste! Va à Nénucric! On va à Nénucric, c'est tout. Oh, Nénucric, Nénucric. Et... Oui! Nénucric! Là où la Terre s'arrête. Là où la mer commence. Ah! C'est vraiment au bord de... T'imagines s'il y a des dresseurs? J'avoue que j'aime bien. Oh! Allez, le centre Pokéké. Je sais pas s'il y a une arène ici. Il reste quoi en fait? On a combien de badges? Regardons ça tout de suite, les amis. On a 5 ou 6, faisons un point sur cette aventure. Si on fait le calcul de quand ça a démarré, vous pouvez prévoir la fin du Nuzlocke. Oh, bah ça avance 6. Bien. Ça avance bien, dis donc. Il nous en reste 2. Alors, hein, la fin du Nuzlocke en 2022. J'y crois moyen, mais bon. Peut-être, hein. Ah, c'est quoi ça? C'est ah, il y a Flora. Bah, on va pas y aller. Hein. Pas mal de choses promises. Oh putain. C'est quoi ça? Je sais pas, ils vont se mettre sur la gueule. Bon, bah, à bientôt pour la suite du Nuzlocke. Salut. Allez, tchuss. Arvidarzer. Allez, salut. Ciao. Comment on arrête? D'accord. Attends, j'ai failli faire un load state. Non.